Pugano qui lui demande de reprendre les commandes de l'épreuve, ce qu'elle fait. Sirène Déné devant Siculien, là Zubu Rochelet qui était tombé dans le Grand Prix au mur, qui vient maintenant 3e, Vanti Cadéric 4e devant Soft Drink. Nouvelle faute pour Hugo Rochelet, mais cette fois-ci ça passe. Sirène Déné complètement dehors, isolé pour sortir du tournant. Début de ligne en face, en deuxième position, Siculien. Là, Zubu Rochelet, troisième, avec Vanti Cadéric toujours en quatrième position. Et le 3 Soft Drink qui est à l'arrière-garde pour aller dans quelques instants vers le gros Open Ditch. Le gros Open Ditch pour Sirène Déné en Casa Academy, orange et noir en tête. En deuxième position, Hugo Rochelet, Siculien, ça passe, faute et chute à l'arrière du 5 Vanti Cadéric. Plus que 4 concurrents en lice, avec toujours Sirène Déné qui a l'avantage pour aller vers un Auxerre en deuxième position. Toujours côté corde, on a le numéro 1, Hugo Rochelet, avec à l'extérieur Siculien. Soft Drink est à l'arrière-garde. Il n'y a pas de temps mort, pas de place pour les faire. Sirène Déné devant Hugo Rochelet, Siculien et Soft Drink dans cet ordre maintenant pour aller aborder la deuxième moitié de la ligne d'en face et franchir un Bullfinch. Toujours Sirène Déné qui a l'avantage complètement dehors ici même. Hugo Rochelet en deuxième position. Siculien qui vient plutôt côté corde et Soft Drink qui est à l'arrière-garde pour aller dans quelques instants vers le Moyen Open Ditch. L'avant-dernière difficulté du parcours et c'est peut-être maintenant que ça se joue. Sirène Déné, Jonathan Pugano qui vient de regarder entre ses jambes, Hugo Rochelet en deuxième position, Siculien qui est peut-être un petit peu près de vitesse maintenant pour aller vers le Moyen Open Ditch. L'avant-dernière difficulté du parcours, Sirène Déné, Hugo Rochelet, Siculien qui est toujours troisième et assez l'enfant des chutes, hein, malheureusement du Rochelet. Il est tout... Oh là là, il chute également de Soft Drink. C'est incroyable ce qui vient de se passer. Bientôt la sortie du tournant et trois autres concurrents qui sont allés à terre avec Sirène Déné qui seul va se diriger vers la phase finale. Il reste une et Jonathan Pugano avec Sirène Déné. Sirène Déné seul dans ce Gaston Phébus pour aller vers la dernière haie. On est maintenant sur le plat à 250 mètres du but. Le Gaston Phébus, un petit coup de théâtre ici, mais quand même sous les applaudissements du public, Sirène Déné qui va s'imposer dans ce Gaston Phébus à 100 mètres de l'arrivée, encouragé par les spectateurs palois ici. Sirène Déné qui s'impose dans cette émission assez particulière quand même de ce Gaston Phébus, puisque Sirène Déné est seul à finir le parcours, François. Victoire du numéro 4, et ce qui vient de se passer est tout simplement incroyable. On note quand même que les 4 chevaux tombés se sont relevés.